Feuille de route. Tout enfant susceptible d'être bénéficiaire concerné ou anciennement concerné doit recevoir une feuille de route des autorités locales. Les autorités locales doivent établir la feuille de route telle que possible lorsque l'évaluation des besoins a été réalisée et cette feuille de route devrait prendre en compte les besoins du jeune et la manière dont les autorités locales les autres pourront lui apporter le soutien pour que le jeune puisse atteindre ses objectifs. Les autorités locales devraient prendre en compte les souhaits et sentiments du jeune et devraient énoncer le soutien, les avis et l'assistance qui seront fournis aux jeunes concernés tant qu'il sera en soins et après. La feuille de route est une convention passée entre les autorités locales ou les jeunes concernant ce qui devra arriver dans l'avenir et comment les autorités locales devraient aider à assister les jeunes. Elle inclut le programme d'éducation, de formation ou d'emploi de jeunes concernés, ses ambitions de carrière, la date à laquelle il devrait quitter les soins et où il vivra après. Les résultats de l'évaluation des besoins devraient être communiqués aux jeunes au plus vite ainsi qu'une copie de la feuille de route et de toutes ses révisions éventuelles ultérieures. La feuille de route est revue tous les 6 mois ou à la demande du jeune ou de son conseiller personnel.